Alors, nous sommes Daf Ayin de Yoma. On est aujourd'hui donc le vendredi 16 Chevant. Nous sommes arrivés hier les six dernières petites lignes. Petites lignes, les six dernières. Donc, on a dit que quand le Kohen Gadol il a fini de lire la Torah, il va donc dire huit bénédictions. Alors, on va expliquer un peu toutes ces bénédictions. Tano Rabanan. Donc il fait la bracha à la Torah comme nous on fait. Asher b'havano shenatanot v'achat Hashem noten haTorah. Al avoda ve'al haodaa ve'al mehilat avon ketikna. Al avoda comme on a dit nous, donc c'est comme on fait nous dans l'amida, retse. Ve'al haodaa modim ve'al mehilat avon comme on compte on fait la bénédiction spéciale de Kippour. Etc. Après, il fait une bracha pour le Bet HaMikdash, et notre bracha pour les Kohanim, et notre bracha pour le Béni Israël. Donc là, on en est à, si on prend Torah, Avodah, Hodah, Mhelat, Avon, ça nous fait 4, Mikdash, Kohanim et Israël, 7, Ve'al She'ala Tefila. Qu'est-ce que c'est She'ala Tefila? On a dit dans la Mishnah, dans la Gemara, ce que c'est. Tano Rabbanan, il nous explique ce que c'est. Ou She'ala Tefila, c'est quoi She'ala Tefila? C'est la prière suivante. Il dit, Rina Tehna Bakasham Lefanecha, Ala Mecha Israël, She'selechem Lehevasha, Ve'hotim Beshema Tefila. Le Kohen Gadol, il dit donc cette phrase. Il demande à Hachem, s'il te plaît, devant toi, Hachem, que les besoins d'Israël d'être délivrés soient présents. Et à la fin, il dit, Baruch atah Hachem, Shomer Tefillah, il finit donc les bénédictions. C'est un rapport avec les brachot qu'on fait pour le Haftar. Non. Mais quand le Kohen Gadol, il a fini de lire, quand le Hadou Hadou Mevi, Sefer Tanam Mevi, Rabbi, il dit que les bénis Israël à l'époque, ils amenaient chacun celui qui a un Sefer Torah, ils l'amenaient là-bas pour montrer comment il fait, lui, le Kavod, il a fait un beau Sefer Torah. Chacun, il montre à l'autre le Kavod qu'il a fait pour le Sefer Torah. Il a acquis donc un Sefer Torah. Meshum ze'eli ve'alveho, donc, qu'on a vu cette semaine. Après, on avait dit dans la Mishnah, Haro'e Kohen Gadol, v'chole l'homme p'neshena odashai. Alors, rappelez-vous, on avait dit donc à la fin de la Mishnah, celui qui voit le Kohen Gadol quand il est en train de lire la Torah, il ne peut pas voir le bœuf et le bouc qui sont brûlés, et vice-versa. Alors, la Gemara dit, pshit, hein, qu'est-ce que tu m'apprends? Alors, on m'a dit non. Maudite maquette de Shakish, de Amar de Shakish, il m'a avidé dans la Mishnah, ou même Mishnah, ben d'Abrahamadat. Mais là, Kamashmalan. La Gemara dit, pourquoi je t'apprends ça? C'est pour te dire que ne crois pas que. Parce que nous, on a un principe, j'ai dit, en ma'avedin ala mitzvot. Ça veut dire que quand quelqu'un il a une mitzvah, il n'a pas le droit d'aller faire une autre mitzvah. Tu es en train de faire une mitzvah, fais la mitzvah, après tu vas faire autre chose. Ça veut dire quoi? Nous, on a dit jusqu'à présent, tout le monde était là avec le Kohen Gadol, en train de faire les korbanot, les aspersions, tout ça, tout le monde était là. Alors après, il y a un qui va prendre donc le bouc et le bœuf pour aller les brûler. Et on a dit, certains vont l'accompagner. J'aurais pu penser. Comme tu étais là avec le Kohen Gadol, et tu as fait une mitzvah. Quelle mitzvah? Plus il y a du monde au Beit HaMikdash, c'est beau. Alors j'aurais pu penser qu'on n'a pas le droit d'aller ailleurs pour aller regarder comment ça se passe de brûler le bœuf et le bouc. C'est pour ça qu'il dit non. Celui qui est là, il ne peut pas voir là-bas, il peut aller là-bas. Et celui qui est là-bas, il ne peut pas voir ici. Donc il y a pas, c'est pas une question d'interdiction. C'est juste une question technique, on ne peut pas voir les deux en même temps parce qu'ils se font en même temps. Mais c'est moutard d'aller là-bas. Mais il ne peut pas attendre un peu le Kohen avant de. On ne peut pas, non. Kamash Malan, donc c'est pour ça qu'on t'a appris cela. Matnitin. Alors, si on essaie de récapituler, le Kohen Gadol, il a commencé le matin avec les vêtements en or pour faire le tamid. Korban tamid dans le quotidien. Après, il a mis les habits blancs pour faire, jusqu'à présent, tout ce qui est le bœuf, le bouc, d'accord? Ensuite, on nous dit ici, s'il est en blanc, Mbeverdebus, la Michel dit, Mbeverdebus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
Alors, si jusqu'à présent il était en habit de bout, c'est-à-dire, donc on a dit, c'est les habits de quatre habits blancs, maintenant le Kohen Gadol va donc faire se laver les mains et les pieds, ensuite le mikvé, s'essuyer, on va lui mettre les habits en or cette fois-ci, pour continuer le processus. Et ensuite, après, donc, habillé d'or, avec les huit habits du Kohen Gadol, il va faire un bélier, le sien, le bélier du peuple, plus les sept agneaux, donc, de Korban Moussaf. Ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. D'accord ? Rabbi Akiva Omer, Aim Tamid, Shachar, La Yokedevin. Rabbi Akiva dit, non, monsieur, le Elo, le bélier du Kohen Gadol, le bélier du peuple et les sept, donc sept agneaux du Moussaf, on les amenait déjà avec le Corban du matin, déjà, quand il était déjà habillé en blanc le matin. Par contre, le bœuf du Corban Aula, ainsi que le Sa'ir, un deuxième, donc tout ça, c'est les Moussafines aussi. C'est marqué dans Moussaf, donc le Corban Moussaf là-bas, il faut apporter aussi un bœuf et un bouc. Cela, il les amène selon Rabbi Akiva. Non, la Mishnah, elle dit, avec le sacrifice quotidien de l'après-midi, puisque le Kohen Gadol doit faire le sacrifice quotidien de l'après-midi. Tout ça, il le fait étant habillé en or. Maintenant, quand il a fini ça, le Kohen Gadol va de nouveau se laver les mains et les pieds, replonger dans le mikvé, ressessuyer, et ensuite on lui amène les habits de blanc. Mais là-bas, je Kedesh Adav Dalam. Ensuite, donc, on lui amène des habits de blanc de nouveau. Pourquoi ? Il dit, Nahnaz le aussi Takaf et Tamahta. Parce qu'il va re-entrer dans la cour de Shakodashim cette fois-ci. Rappelez-vous, on avait dit ça au tout début. Pour aller récupérer la poêle dans laquelle il y avait les braises et dans laquelle il a fait les encens le matin. Après qu'il y a eu quelques temps, il faut qu'il sorte maintenant que c'est éteint, c'est fini. Il sort la coupelle dans laquelle il y avait les encens et la pelle dans laquelle il y avait là-bas les braises. Il va les sortir de Kodesh HaKodeshim. Pour entrer dans Kodesh HaKodeshim, on est obligé de changer d'habit. Il était habillé de blanc. Mais avant, quand il est rentré la première fois, il était habillé de blanc. Blanc aussi, toujours. Pour le Kodesh HaKodeshim, on est toujours en blanc. Hein ? Parce qu'on a dit que le Kohen Gadol, normalement, il est habillé au nord. Mais pour les besoins de Kippour, il s'habille en blanc. Surtout quand il rentre dans le Kodesh HaKodeshim. Parce qu'on ne rentre pas dans le Kodesh HaKodeshim avec les habits en or parce que ça appelle le Vaudor. Mais Kippour, à ce moment, il met les habits en or. Bien sûr, c'est ce qu'on a entendu dire. On a dit d'abord, il commence par les habits en or le matin. Il fait le corban du matin. Ensuite, il a mis le blanc. Là, on nous dit, il met l'or et il fait donc le. Toujours. Alors. Maintenant, il a dit donc de nouveau, il va plonger au mikvé. Il va s'habiller encore de nouveau en or. Après, il va mettre donc les habits d'or parce que dans l'après-midi, il doit faire les ktorot de l'après-midi. D'accord ? Et ça, c'est ktorot qu'on fait sur le Mizbéa. C'était pas sur dans le Kodesh HaKodeshim. Et donc, à arranger les nerot, les veilleuses de la menorah, comme il fait tous les jours. Ensuite, il s'en sanctifie les mains et les pieds et il enlève ses habits donc de en or. Et veolo birde asmo, on lui amène ses propres habits personnels cette fois-ci puisqu'il a tout fini maintenant. Velavage, il va s'habiller. Umlaven, umlawin, oto adbeto. Et après, tout le monde accompagne le Kohen Gadol chez lui à la maison à la sortie de Kippour. Viom toba yaosile ohava bishashi asab shalom mena kodesh. Quand le Kohen Gadol sort en paix du Beit HaMikdash du jour de Kippour, alors, il faisait une grande fête. Il faisait une grande fête à tout Israël, bien sûr. À ses amis, plutôt aller au Hava, à ses amis, c'est marqué. En sortant, le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, en sortant du Beit HaMikdash vivant, il fait une grande fête à ses amis. Il y a marqué les au Hava. Ses amis qui ? Les au Hava. Il n'y a pas marqué qui. Ça peut être Israël ? Voilà donc la Mishnah. Alors, la Gemara, maintenant, elle dit, elle pose une question. Eh bien, elle est où ? Hechika Amar. Aïm tamit shashana yukadivin ufara'u la usadana sabahu simtam simna'al ba'im
ודין מאחיך אמר להם תמיד ששעה לא קדם ונופל על הבדיו ושעה לנעשה בחוסם תמיד של בן הבאים. Alors, nous, on a dit dans la Mishnah comme ça. On a dit que le Kohen Gadol, donc on va lui mettre les habits. Alors, ensuite, il va faire son bélier, le bélier du peuple, et les sept brebis et sept agneaux selon Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva, il dit, c'est ça que la question vraiment va poser. Rabbi Akiva, il dit, cela, il est fait avec le sacrifice du matin. Et après, il dit, et le bœuf du Hola et le bouc de l'extérieur, il est fait avec donc le sacrifice de l'après-midi. Alors la Gemara veut savoir, est-ce que la coupure, puisqu'il y a marqué « et le bœuf et le bouc », est-ce que la coupure se fait au milieu ou est-ce qu'elle se fait après? C'est-à-dire, est-ce qu'on va lire, comme la Gemara dit comme ça, est-ce qu'on va lire « le bœuf de Ola et le sarai d'extérieur, il est fait dans l'après-midi tous les deux » ou bien on dit non, le bœuf de Ola, il est fait avec ceux du matin et le sarai de l'après-midi, il est fait avec le sarai de Hos, il est fait d'après-midi. Dans les deux cas, on parle ici de Korban Moussaf. C'est bien d'accord. Le Korban Moussaf, il y a un bœuf et il y a un bouc. Alors on nous dit, parce que dans le Korban Moussaf, il y a sept agneaux, le bœuf et le bouc. Alors on nous dit, les sept agneaux, on les fait le matin. Après il dit, et le bœuf de Ola et le bouc. Il les fait l'après-midi. Alors le moral pose la question, est-ce que le bœuf... ça va avec le matin, ou bien le bœuf, il va avec le bouc l'après-midi. C'est la question. Ou c'est combien, voilà, tous les trois, c'est moussaf. Il y a les sept agneaux, le bœuf et le bouc, ces trois, c'est moussaf. Seulement, nous, on nous dit, Rabbi Akiva dit, les sept agneaux, il est fait le matin. Et quand il parle le langage, et le bœuf de Ola, et le bouc l'après-midi. Alors, nous, on veut savoir, est-ce que ça veut dire les sept agneaux et le bœuf, virgule, le matin et le bouc l'après-midi, ou bien les sept agneaux le matin, virgule, et le bœuf et le bouc l'après-midi. Question simple. Veto, ma deuxième question, elle pose. Pala le de Shaïri, et matabille. La Gmara dit, mais non, selon Rabbi Eliezer, lui il a dit, les sept agneaux il les fait le matin, mais il n'a pas parlé du bœuf et du bouc. Quand est-ce qu'il les fait cela? Il n'a rien dit. On pose une deuxième question. Si veto, si, hein? S'il précise une chose pour le matin, ça veut dire souvent que l'autre, c'est l'après-midi. Non, mais il n'a rien dit. Pourquoi il ne dit pas? Rabbi Akiva, il a dit, bah, ça et ça, tu veux comme ça. Veto, troisième question, là, moi, il dit, ben 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 Rabbi Akiva, et moi, la hata, t'es matin, vidéo. Alors, la Kimara dit maintenant, aussi bien pour Rabbi Akiva, j'ai une question. Vous vous rappelez quand on a dit le bœuf du Kohen Gadol et le bouc, qu'il a, donc de Hachem, qu'il a fait les aspersions dedans? Vous vous rappelez, hier on va dire, on a dit, il les laisse avec la peau, juste on l'ouvre ici, il sort les graisses interdites et tout ça pour mettre sur le mesbéach. Alors il dit, mais on n'a pas vu quand est-ce qu'il prend ces choses-là pour les mettre sur le mesbéach. Il n'y a pas marqué. Alors quand est-ce qu'on les fait? Donc là, on va poser une question. Alors, on va répondre. Amadava, Rava, il dit, la miskahat la metakanta. Pour essayer de répondre, on a deux options. Et là, oh la Rabbi Eliezer de Tana b'Dvishmoel, oh la Berkeva qui est de Tosefta. Donc soit Rabbi Eliezer, on le met avec de Shmoel, soit Rabbi Akiva, on le met comme la Tosefta. Et il nous explique les deux. Shmoel, là, donc ce qu'on a enseigné dans les Yeshiva de Shmoel et dans la Tosefta. De Tana b'Dvishmoel, donc dans les Yeshiva de Shmoel, on enseigne. Rabbi Eliezer d'Omer. Il y a ça, donc quand il a fini ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire donc le bœuf et le bouc de Hachem, le Kohen Gadol Yatsa, il sort du Echal où il était, il fait son bélier et le bélier du peuple, ve'emore hatat, ainsi que les graisses interdites de ses korbanot, il les fait donc tout ça le matin, aval, mais par la ola, ve'shivat kibasim. C'est-à-dire les trois types de korbanot de Moussaf, le bœuf, le sa'ir et les sept agneaux, il est fait avec le tamid de l'après-midi. D'accord. Donc lui, il a placé tous les trois l'après-midi, il est tranquille. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, non, il fait les deux sa'irim, le bœuf du Kohen Gadol. Après, aussi, il y a Elov et Elaham. Il y a un bélier et le bélier du peuple. C'est aussi deux corbanotes spécifiques de Kippour.
Maintenant, la Berkiva, lui, dit de Tosefta. Comme la Tosefta, c'est quoi la Tosefta? De Tania. La Berkiva, Omer, par haola, vishvaad, kivasim, aim tamid, shashah, la yukadevim. Lui, Rabbi Akiva, il dit, le bœuf de haola, ainsi que le sept agneaux, ils étaient avec le matin. Il les offrit le matin. Pourquoi il dit ça, Rabbi Akiva? Parce que chez Neymar, mais les vins d'haola, tabokana, shele, haola, tatamid. Parce que quand on a parlé de par haola, et shevaad kivasim, de korban moussaf, c'est marqué là-bas, en dehors, de haola, tatamid. C'est-à-dire, tu fais Ola Tatamid et après tu fais cela. C'est pour ça que Rabbi Akiva a dit, on fait les amener avec le matin. Parce qu'il y a marqué, mais les vada Ola Tatamid, Ola Tatamid. En dehors de du corban quotidien du matin, hein, il faut faire ça. Ça veut dire que tu les fais, suivez du corban du matin, puisqu'on te dit en dehors du matin. Donc tout ça, il le fait le matin. C'est-à-dire, avant même de commencer tout ce qu'on a vu, le bœuf du Kohen Gadol et les Sa'ir, et Azazel et Hashem, tout ça. D'abord, il fait le tamid du matin, parce qu'on a dit là, au tout début, on a expliqué que la première des choses, c'est le sacrifice du matin. On a vu en or, il le fait le Kohen Gadol. Quand il a fini ces trois choses, le korban du matin avec les deux de Moussaf, il fait Avodat Hayom, c'est toute la procédure spécifique de Kippour. Et après, selon Rabbi Akiva, il prend le Sa'ir de Moussaf. Il le fait. Pourquoi après, comment il sait? Chez Nehemar, Sa'id Azim et Hat Hatat, mais les Bat Hatat à Kippourim. Parce qu'il y a marqué, mais les Bat Hatat à Kippourim, en dehors de Hatat de Kippour. Or, c'est quoi Hatat de Kippour? C'est le Sa'ir qu'on met à l'intérieur, qu'on asperge le sang à l'intérieur. Alors, en dehors de ça, tu fais le Sa'ir de Moussaf. Donc, tu vois bien que celui-là, il suit l'autre. Donc, selon Rabbi Akiva, on fait le tamid du matin, les sept agneaux plus le bœuf. Ensuite, on fait les corbanes de Kippour, le bœuf, le bouc, tirage au sort, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Juste après, dans l'ordre chronologique, il fait le Sa'ir de Moussaf. C'est le matin, ça, toi. Dans la matinée, c'est pas le matin. Là, on est en fin de matinée, déjà. Ensuite, il prend le bélier du Kohen Gadol ainsi que le bélier du peuple. Après, il prend justement donc, les graisses interdites qu'il doit mettre donc, dans le misbéah, ceux du bœuf, du Kohen Gadol et du bouc. Mais après, le sacrifice de l'après-midi termine comme ça. Ça, c'est la vie de Rabbi Akiva. Alors, évidemment, la Gemara va poser la question. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Pourquoi Rabbi Akiva il a opté pour sa solution et Rabbi Eliezer aussi? Alors, il te dit, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Avid kedirtif. Il te dit parce que Rabbi Eliezer, il te dit, moi je fais comme c'est marqué dans la Torah. Comment c'est marqué dans la Torah? Avid bideshat yetodat kohanim. Vehadal avid yedahumash apikodim. Dans les korbanot de Kippour, on a d'abord la parasha de Harimot. Là-bas, il parle de tout le processus, donc c'est sûr de Kippour. Après, on a dans Parashat Emor, là-bas, il parle de Korban Moussaf. Et dans Parashat Pinhas, d'accord, dans Bamidbar, il parle aussi donc des Korbanot de Moussaf de Kippour. C'est pour ça que Rabbi Eliezer te dit, moi, je respecte l'ordre qui est écrit dans la Torah. C'est, Rabbi Eliezer te dit, comment on fait? Comme on l'a dit nous au début ici, d'abord, il fait donc le tamid du matin, ça, tout le monde est d'accord. Le korban de Kippour, tout le monde est d'accord. Ça, c'est marqué dans Harimot. Juste après, il y a marqué Élevé l'âme, tout ça, c'est Harimot. Et Moudé Hatat aussi. Mais, pas la Ola, je vais te dire, c'est un Azabachous. Pourquoi il est fait à l'après-midi? Parce qu'ils sont marqués dans Parashat Pinhas. Comme ils sont dans Parashat Pinhas, il les laisse dans l'après-midi. Donc, il suit l'ordre qui est marqué dans la Torah, en fait. La Torah dit, tu fais d'abord le Tamid, après, tu fais les sortes de Kippour, après, tu fais les Moussafim de Kippour. Donc, je dis, moi, je suis un ordre chronologique de la Torah. Et maintenant, Rabbi Akiva. C'est quand tu veux, je te pose une question et qu'il n'y a pas de réponse, tu me dis, c'est le temps. Lui, au contraire. Tu dis, pourquoi tu es comme ça? Il dit, parce que c'est marqué comme ça dans le temps. Tu ne veux pas me dire le contraire. Alors maintenant, Rabbi Akiva, quelle est sa raison? Pourquoi Rabbi Akiva, il a fait comme il a dit? Qu'il traite un état, mais il va dans l'intabration de ta tamid. L'agma a dit, Rabbi Akiva, il te dit, mais moi, je t'ai déjà expliqué la raison. Je t'ai dit, c'est marqué dans le Moussaf.
Il y a marqué, la Torah dit, quand on fait le moussaf, il y a marqué, le moussaf, tu le fais en dehors du korban du tamid du matin. Donc ça veut dire, tu le fais juste après. Quand on te fait en dehors du olat tamid, tu fais ça aussi. C'est-à-dire, dès que j'ai fini olat tamid, je fais ça de suite. C'est pas ça que Rabbi Akiva, il a dit que les korban moussaf de Kippour, une partie, on les fait le matin. Alma, après le matin. Après le tamid du matin. Alma, moussafin, un tamid, c'est ça en avidéo. C'est pour ça que le Rabbi Akiva, il te dit, les korban moussaf, je le fais avec le korban du matin. C'est ce que la Torah l'a dit. Mais les va dans la tabour, quand la chaîne en la tamid. Ah, la Gemara dit, parce que nous on a vu, on a dit que Rabbi Akiva l'a dit comme ça, le sa'ir de Moussaf, il le fait après le sa'ir de Kippour. Pourquoi? Parce que les deux c'est Hatat, et dans la Torah c'est marqué, tu fais ce sa'ir là Hatat, en dehors de Hatat de Kippour. C'est-à-dire, dès que tu as fini Hatat Kippour, tu fais celui-là. Hatat Kippour, c'est le bouc de Kippour. Et le Hatat de Moussaf, c'est le deuxième. Alors nous on pose la question à Rabbi Eliezer. Alors pourquoi toi Rabbi Eliezer, comment tu expliques ce passage? Toi Rabbi Eliezer, tu as dit que le sa'ir de le deuxième sa'ir qui est donc de Moussaf, tu le fais dans l'après-midi. Mais ça n'a rien à voir avec le passouk. Le passouk il dit le sa'ir de Moussaf tu le fais en dehors du sa'ir de Kippour. Alors le sa'ir de Kippour il doit être fait vers 10h 11h du matin. Normalement, il faut juste après, tu mets le sa'ir de Moussaf. Toi, tu as dit non, on le fait l'après-midi. En dehors de la matinée, en dehors du matin. Non, quand on dit Milibat Hatatake, pour nous, ça veut dire suivi. Juste après celui-là, tu fais celui-là. C'est pas en dehors. Là. Non, c'est comme on a dit dans la tabouk. Peut-être, quand on dit en dehors de celui-là, tu fais ça. C'est-à-dire, en plus de ça, tu dois faire ça. Donc, ça veut dire que c'est suivi. Ça veut dire que c'est suivi si tu dis l'après-midi. Non, l'après-midi, ça ne suit pas, c'est l'après-midi. Alma Moussafina, tu as mis un vidéo. Donc, pardon, alors, qu'est-ce que tu fais avec cette phrase de la Torah qui dit le hatat de Moussaf en dehors de hatat Kippour? Donc, ils doivent être suivis. Il te dit non, monsieur. Il te répond, Rabbi Azad, non. Quand la Torah l'a dit comme ça, que le sa'ir de Moussaf en dehors du sa'ir de Kippour, c'est pour te dire sur ce que le sa'ir de Kippour, il pardonne, le sa'ir de Moussaf aussi, il pardonne. C'est pas du tout pour dire dans la chronologie des temps qu'il faut les rapprocher. C'est juste pour dire, en dehors des fautes que le sa'ir de Kippour pardonne, celui-là aussi, il pardonne la même faute. Et on a dit, nous, c'est quoi les mêmes fautes? C'est quand il y a obligatoirement, il dit, ah, c'est-à-dire que nous, on a dit ici que les korbanot, ça pardonne quand un Kohen, par exemple, il a soit manger ces choses kadosh en étant tamé, sans savoir qu'il était tamé, alors qu'il le savait avant qu'il était tamé, soit qu'il est entré au Beit HaMikdash en étant tamé sans le savoir, mais il le savait au début. Ça veut dire que c'est pas qu'il ignorait totalement. Il savait qu'il était tamé, il a oublié, et il a entré au Beit HaMikdash. Ou bien après, il savait qu'il était tamé, il a oublié, après il a mangé des choses kadosh. Maintenant, la Gemara dit, Rabbi Yehuda, on met le Meshemo, au nom de Rabbi Akiva. Rabbi Yehuda, il dit, Ehat, Rabbi Yehuda, il dit, Ehat, Rabbi Yehuda, il dit, Ehat, parce que Rabbi Akiva, lui, il a dit que les sept agneaux, il a dit, les sept agneaux, on les fait le matin. Il vient maintenant, Rabbi Yehuda, il dit, au nom de Rabbi Akiva, qui a dit que les sept agneaux, on les fait le matin, il a dit, on ne fait pas tous les sept en même temps. Comment on fait? Rabbi Yehuda, il dit, sept agneaux de Moussaf. Il y en a sept. Sept de Moussaf. Il a dit... C'est Moussaf, non? Non, pas du tout. C'est le corban de Kippour qui est le plus important. Pourquoi les sept agneaux, ils font corban et ouais. Shrita et tout? Ouais. Pourquoi sept? Parce que la Torah l'a dit sept. Alors Rabbi Yehuda dit comme ça, tu sais, les sept, il ne faut pas les faire en même temps. Alors comment on fait? Ehad, khalif, emtamid, shesha. Vishesha, emtamid, shesha, emtamid. Rabbi Yehuda dit non. Il fait un le matin et six l'après-midi. Mikhal. L'après-midi. Hein? Oui. Il vient Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, il dit au nom de Rabbi Akiva aussi, tous les deux ils prennent de Rabbi Akiva. Il dit non, six on les fait le matin et un l'après-midi. Donc il y a donc d'une extrême à l'autre. Alors, la Gemara dit, justement, il faut pas dire n'importe quoi. Il y a des raisons, c'est pas un stem comme ça, on n'invente pas des choses. La Gemara, elle pose une question. Quelle est la raison de Harami? Pourquoi il dit 1 après 6, et l'autre dit 6 plus 1? Pourquoi ça?
Alors il dit, Tadek la Ektiv. Ktiv, mais les va dans la tabo. Urtiv, mais assa, mais assa, t'en a tout. Il car, avid ben avacha, ben avacha. Et moi, il dit, d'abord, le fait de ne pas les faire les sept en même temps, c'est marqué dans la Torah. Pourquoi dans la Torah, c'est marqué, mais les va dans la tabo. Donc, c'est Moussef, il faut les faire en dehors du carbone du matin. Donc, ça veut dire, il faut les faire le matin. D'un autre côté, la Torah dit, quand il a fini Kippour, c'est-à-dire tout ce qui est Kippour, proprement parler, le bœuf, le bouc, le tirage de sort, tout ça, le Kohen Gadol sort, il fait les agneaux après. Alors on ne comprend pas, on les fait avant ou on les fait après? D'accord? La Torah dit tu les fais avant et tu les fais après. Alors Aramim nous a dit c'est ça, il faut couper, une partie avant, une partie après. Maintenant pourquoi 1, 7, 1, 6, 6, 6, 1? On ne comprend pas pourquoi. D'abord on a compris déjà que les sept, ils sont pas en même temps, parce que dans la Torah, on a deux psukim. Un, il dit le matin, un, il dit l'après-midi. Enfin, un, il dit le matin avant les choses spécifiques de Kippour, et un, il dit c'est après. Et le chiffre 7, il correspond à quoi? C'est la Torah qui dit. Hein? C'est le jour de la semaine. C'est le jour de la semaine. Dans les Moussaf, il y a 7, des fois 8, des fois 5, des fois 4. Ça dépend des Moussafim. Quand il dit avant et après, ça veut dire le matin et l'après-midi? Non, avant, c'est-à-dire avant les trucs spécifiques de Kippour, c'était après le korban du matin. Et après, c'est après les trucs de Kippour, donc avant l'après-midi. Alors maintenant, pourquoi 1, 6, 6 hein? Il dit voilà. Mais comme il faudrait. Rabbi Yehuda Saval a dit Had qui est estimé le bat en Atabour. Behadan a dit Avodatayom. Din Mahon Shahalish, Kohen Gadol. Rabbi Yehuda, il a dit on fait 1 et après on fait 6. Pourquoi 1 et 6? Il te dit on fait 1 parce que la Torah a dit il faut faire 1 au début. Et après, il ne faut pas faire 6. Parce que si tu fais tout, les 6 le matin, le Kohen Gadol va se fatiguer. Et il risque de ne pas pouvoir faire l'essentiel du service qui est de Kippour. Et ça, c'est problématique. Alors, comme il faut faire de toute façon avant un petit peu, on lui fait un seul, ça suffit, juste pour la forme. Il garde toutes ses forces pour faire ensuite l'essentiel, c'est donc le tirage au sort, le bœuf, le bouc et toute cette histoire-là, qu'il soit enfant. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Maintenant, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Pourquoi lui il dit 6 et 1? Alors qu'est-ce qu'il il fait quoi avec ça? Il te dit, ça va. Qui va de Athil, Avid Shisha. Telma Pasha de Gabi Pasha. De Gabi Avodatayim, ça des eaux. Il dit, lui, Rabbi Elazar, il te dit, écoute, c'est simple. D'abord, il commence par faire 6. Pourquoi? Parce que s'il fait 1, on craint que, après, il fera même pas les 6. Tu vas me dire, oui, mais il va être fatigué, il ne pourra pas faire le service. Je dis non, monsieur. En général, les Kohanim, ils savent très bien que le service primordial, c'est celui de Kippour. C'est donc le bœuf, le bouc, les aspersions à l'intérieur, les ktoret. Et tout le monde, tous les Kohanim, ils ont la force pour faire ça. C'est pas. Il n'est pas seul. Hein? Il n'est pas seul. Non, mais c'est lui qui fait tout. L'habitude. D'accord. Tout ça, c'est lui qui le fait. Mais ça veut dire que quand quelqu'un, il sait. Prenez un enfant le jour de la bar mitzvah, il est là, hein, c'est moi le champion, regardez-moi. Ben là aussi, le Kohen Gadol, s'il ne fait pas ça le Kippour, ben, il a raté tout. Quoi. Donc il prend toutes ses forces pour faire ça. C'est pour ça que lui, Rabbi Elazar, il dit non, il fait les 6. Parce que s'il ne va faire que 1, après avoir fait les Kippour, il dit c'est bon, laisse tomber, c'est là, c'est pas important, on ne fait pas. On a fait l'essentiel. Non, tu fais d'abord les 6 de Moussaf, après tu fais les Kippour, l'essentiel, le spécifique de Kippour, c'est ça. Ok? Alors, maintenant, l'Agmara, elle passe à un autre sujet. On a dit, tout à l'heure, on a dit que le Kohen Gadol, il apporte en dehors des korbanot, Elo ve El Haram. Un bélier pour lui et un bélier pour le peuple. Ça fait partie des korbanot, donc de Kippour. Ok? Alors, l'Agmara dit, de Kohen Alma Miat Had Ailhu. Keman, Kerabi. Alors, l'Agmara dit, donc tout le monde est d'accord qu'il y a un seul bélier. Pourquoi? Il dit, ça marche comme Rabbi. Parce qu'on va voir dans une mahlok d'Etania. La Bretagne dit comme ça. Rabbi Omer, Aïl Echad Ha'amur Kan, Hu Ha'amur Bechomash Ha'pekodim. Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon Omer, Shene Elim He. Echad Ha'amur Kan, Echad Ha'amur Bechomash Ha'pekodim. Ici, on a une mahlok d'Abraïta, elle dit comme ça. Comme on a dit tout à l'heure, il y a dans Chumash Vayikra, il y a marqué là-bas que le Kohen Gadol il doit amener un korban, un bélier. Dans Pinhas, dans Bamidbar, on répète la même chose.
Alors c'est pour ça que un il dit, en vérité, c'est le même. La Torah l'a répété, mais c'est le même. Ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi, non, c'est Rabbi, pardon. Parce que souvent la Torah la répète, le chanteur comme Al-Moussaf, tout ça, elle est en plus. On répète, c'est pas un problème. Et Rabbi Lazab et Rabbi Shimon, il dit, non monsieur, un, celui de Baïkra, c'est un, et deux, celui de Homash Abirodim, dans Pinhas, dans Bamidbar, c'est un deuxième. Il faut donc un deuxième. Donc, comme on a Rabbi qui a dit un, et Rabbi Lazar qui a dit deux élim de Bélier, et nous, chez nous, ici, on voit qu'il n'y en a qu'un seul, alors Gmara dit, donc notre Gmara ici, elle est comme Rabbi, pas sûr. Alors, la Gmara dit, Maïta Amadé Rabbi, alors pourquoi, on va expliquer la raison, pourquoi Rabbi l'a dit un seul, et pourquoi Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, il dit qu'il y en a deux. Alors, il répond simplement, il dit, Maïta Amadé Rabbi, Dertif Echad, parce que dans la Torah, c'est marqué Ehad, un seul. Ah, il est Had. C'est marqué dans la Torah, ah, il est Had. Donc c'est un seul. Même s'il est répété, c'est pas grave. Fais la Bila Azad, Bila Bisharon, ma Ehad, mais Ehad, c'est Bilaadou. Et Rabbi Lazar dit, alors pourquoi tu dis deux? Voilà, il est marqué, ah, il est Had. Rabbi Lazar dit, non, le mot Ehad ici, ça ne veut pas dire un. Ça veut dire Ehad, c'est Miouhad. C'est-à-dire, tu achètes le beau, le meilleur. D'accord, tu prends un beau bélier, tu amènes le corban. Ah, alors on pose la question à Rabbi. Et comment il apprend qu'il va porter un beau? Il dit non. Rabbi te dit, il y a un autre passage dans la Torah, c'est marqué, quand tu veux faire un don au Bétamidage, un corban, choisis un beau, n'importe quoi, un misérable. Alors, il y a marqué déjà. Il te dit non, monsieur. Had de Hobab et Had de Daba ou Slechi. Rabbi Lazar dit, tiens, attends, c'est marqué là-bas. Mais là-bas, on parle de Neder. Quelqu'un qui fait un vœu, un don. C'est Nedava. Et donc, Kippour, on te parle d'obligatoire. C'est pas pareil. Toi, tu aurais pu me dire, quand tu fais toi un corban personnel, fais-le un beau. Après, pour les collectifs, les obligatoires, on s'en fout. Ou bien tu peux dire non. Pour les collectifs, c'est important, il faut rajouter un beau. Toi, bon, ça même, c'est important pour toi. Donc, on a besoin des deux pour que la Torah nous dise, dans les deux cas, aussi bien individuel que collectif, aussi bien un vœu qu'une obligation, tous les deux doivent être un meilleur, et donc chacun il reste sur sa position. Alors, on continue. Dans la Torah, c'est marqué, d'abord dans la Mishnah, que Deshada Vedardav, la Mishnah l'a dit ici, après, il va. Le Kohen Gadol va s'habiller de nouveau en blanc pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim et ressortir de là-bas ce qu'il a mis le matin, c'est-à-dire la pelle avec les braises et le kaf avec les encens. Après que c'est tout brûlé, tout enfumé déjà, il ressort ça, il sort dehors évidemment. Mais pour rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il est obligé de s'habiller en blanc. C'est à Mincha ou à Mincha ? Dans l'après-midi. En fin de service. Tano la banane. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Et Aaron, il vient dans Ohel Moed. La Gemara dit, Lama Uba, pourquoi il vient? Pourquoi il rentre dans le Kodesh HaKodashim? Léosé Taka Betamarta. Comme on a dit, nous, pour sortir la pelle et la coupelle. La pelle avec les braises et la coupelle avec dans lesquelles il y avait les encens initialement. Alors, la Gemara nous dit, Shekola Pada Shekola Nevna Alassé de Chos Mepasourze. Il dit, car toute la paracha, la Gemara nous dit comme ça, toute la paracha dans Kippour, c'est dans l'ordre que ce doit être fait. Sauf ce passage-là, il n'est pas dans l'ordre. Pourquoi il n'est pas dans l'ordre? Parce que si on laisse tel qu'il est dans l'ordre, alors on va dire comme ça. Si on dit comme ça, on dit que, comme c'est marqué dans la Torah, le Kohen Gadol, écoutez bien, il s'habille d'abord en or pour faire donc les corbanes du matin. Ensuite, il rentre dans le Kodesh HaKodashim pour faire les corbanes du Kippour, il se met en blanc. Si on dit que quand il a fini, d'accord, il retourne déjà habillé en blanc, et il ressort les coupelles et les choses. Il a fini ça. Après, il s'habille en or pour faire la corbanot de l'après-midi de Moussaf. On n'a que trois changements d'habits.
C'est 5 fois même. Alors que nous, on a vu, à Kippour, il y a 5 fois changement d'avis. On n'a pas dit. Il n'y a plus rien après. À la fin de la journée, on avait dit non, qu'il change. Il n'y a plus rien. Si vous voulez, regardez. Il y a le corban du matin en or. Kippour en blanc. Après, il y a les corbanotes de l'après-midi. Et Moussaf en or. C'est tout ce qu'il y a. Oui, mais il rentre ça. Où il rentre ça. Quoi faire du champ. Et de travail, ça. Non, ça y est. Je répète. Il est habillé en or le matin pour faire les corbanotes du matin. Ensuite, il s'habille en blanc. Il rentre au Kodesh Kodashi. Si on dit qu'il rentre au Kodesh Kodashi, mais il fait les aspersions, il fait tout ce qu'il faut, le tirage au sort, tout ça, et après, il retourne, il ressort ce qu'il y avait dedans. Il retourne pour quoi faire ? Pour ressortir la pelle et la poêle. Mais il recommence à remettre le... Non, si on dit qu'il est comme ça déjà, et après il sort, après il s'habille en or, il fait le Korban Moussa, il fait le Korban d'après-midi, il a fini, ciao, ça fait que 3. Et ça, c'est marqué comme ça dans la Torah. Alors, Gemara dit, ce pasouk-là qui dit que le Kohen Gadol il doit rentrer dans le Kodesh HaKodashim et ressortir la pelle et la poêle n'est pas à sa place. Il ne faut pas le mettre ici. Donc, on récupère. Il faut que le Kohen Gadol s'habille d'abord en or pour faire le Korban Tamid du matin. Après, il s'habille en blanc pour rentrer pour Kippour spécifique. Ensuite, il s'habille en or pour faire le Korban Moussaf. Ensuite, il s'habille en blanc pour retourner, ressortir la pelle et la poêle. Après, il s'habille en or pour terminer le travail et conclure. Ça nous fait 5. C'est pour ça que l'Agmaral dit, ce pasour, on l'a mis en même temps que Kippour, mais ce n'est pas sa place. Au fait, on a pas marqué une étape. Mais non. Entre 3 et 5, ça change. D'accord, mais parce qu'on n'a pas mentionné le rentrer... Si, on l'a mentionné, mais pas à sa place. La Torah l'a dit ici, mais en vérité, c'est pas ici, c'est après l'autre. On a compté que 3. D'accord. Donc, il manque 2. Mais voilà, c'est ça ce qu'on est en train de dire. On est en train de te dire que le fait que le Kohen Gadol rentre au Kodesh HaKodashim pour ressortir, débarrasser ce qu'il y a là-bas, ce n'est pas maintenant qu'on le fait. La Torah l'a marqué maintenant, mais ce n'est pas maintenant. Ça se fait après. Pour que ce soit saint. C'est ce que l'Agma a dit. Mais Tama, quelle est la raison? Pourquoi tu dis que la Torah n'est pas dans l'ordre? Il dit pas chaud. Tama, d'Abhaza Gmire. Parce que nous, on a appris. Hamesh Tevelot, Vahasana Kadoshin Tobel Kohen Gadol, Vahadish Bobayom. Nous, on a appris que le Kohen Gadol, le jour de Kippour, il fait 5 trempages dans le Mikvé, 10 Kiddushin Adem Ralem, puisque avant et après, toujours à chaque fois, donc on le savait. Maintenant, comme je viens d'expliquer, et si on dit que c'est le Seder, on reste dans l'ordre de la Torah. Et Amad Kesedan, la Mishkahat, la Shalosh Tevelot, Shasha Kiddushin. Ok? Dans ces cas-là, ça ne marche pas. Il n'y a plus que 3, comme on vient d'expliquer comme ça. Ok? Ça, c'est la conclusion de la Gemara. Alors, Matrif, la Bézéra, Bézéra, il pose une question. Il dit, pourquoi tu dis que la Torah est dans le désordre? Je peux te dire, laisse comme ça. D'accord? Laisse comme ça. Tu vas me dire, il va nous manquer des vilotes. Je vais te trouver une solution. Comment? Védilma, mafsikli, besaïdana, asabahouts. La Gemara dit peut-être, c'est-à-dire que, on peut dire comme ça, il fait le Korban du matin, le Tamid avec l'or, Kippour avec blanc, ensuite il fait le Moussaf, donc avec l'or, mais avant de faire le Sa'ir de Moussaf, il coupe, laisse ce passeau comme il est, il a déjà sorti donc la coupelle, d'accord? Oui? Après Moussaf, quoi? Chut, s'il vous plaît. Et donc la Gemara dit peut-être que, on va dire comme ça, le Kohen Gadol, donc il s'habille en or le matin. Après, il met les blancs. Après, donc, il laisse comme c'est marqué dans la Torah. Il sort la pelle de là-bas, donc le matin. Ensuite, il s'habille en or pour le Moussaf. Ensuite, pour le Sa'ir, qui va être Bahou, c'est le Sa'ir de Moussaf, il se rhabille en blanc. Et après, il se met en or pour terminer le de l'après-midi. C'est terminé. Pourquoi tu es obligé d'inverser la Torah pour avoir tes 5 vilotes? Voilà, ici, je peux avoir les 5 vilotes. D'accord? La Gemara dit, Amal Abaye, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Amal Kla, viasa, viasa, taulato, mise, aleshona, avid, elove, elaham. Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah,
Viasa, il sort de là-bas, donc de Kodesh HaKodeshim, où il était là-bas, dans le Hechal, et il fait Olato, et Elo ve'Elham. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, non, parce que tu ne peux pas mettre le Elo ve'Elham en deuxième pour que tu fasses un changement d'habit spécifique. Parce que dans la Torah, c'est marqué, en étant habillé de blanc déjà, il sort, il fait le bélier. Il n'y a pas marqué qu'il y a un changement d'habit entre les deux. Donc tu es obligé de dire que si on met, comme on a dit, l'or pour le tamid du matin, le korban spécifique de Kippour en blanc, ensuite, tu es obligé de dire que le Elo ve'Elham, il le fait en même temps, parce que c'est marqué en même temps, et après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, il n'y a que l'après-midi, le Moussaf et l'or, tout ça, c'est terminé. Il n'y a pas donc possibilité d'avoir cinq tvidot. C'est pour ça, donc, ça ne marche pas, donc, comme on a voulu proposer avec Rabbi Zera. Rava Amar, Rava, il répond une deuxième réponse, et on finit avec ça. Amar, Klaou, Fashat, et Berdé, Abad, Chien, Tamod, Amar, Chien, Lavash, Klum, Adam, Pochet, Anama, Chien, Lavash, Anama, Tamod, Amar, Chien, Lavash, Chien, Lavash, Keva. C'est marqué dans la Torah, le Passouk. Le Passouk qui dit, le Kohen Gadol, il rentre dans le Beit HaMikdash, il dit comme ça. Où va Aaron et Ol Moed, c'est ça. Aaron, il rentre dans le Ol Moed, dans le Beit HaMikdash, dans le Kohen Gadol. Et là-bas, c'est marqué. Après, au Fashat et Berdé Abad, Hashem Lavash. Après, il enlève les habits de blanc qu'il s'est habillé en venant au Beit HaMikdash. Donc, en Kohen Gadol. Rabbi dit, pourquoi la Torah dit, il enlève les habits Asher Lavash, qu'il s'est habillé. Si on enlève les habits, on enlève les habits qu'on est habillé, évidemment. On ne va pas enlever des habits qu'on n'est pas habillé. Pourquoi la Torah dit Asher Lavash? Mais il enlève les habits alors. Mais, non, d'abord c'est les blancs. Blanc. Deuxièmement, mais quand moi je dis, je me suis déshabillé des habits que je portais. Ben, merci. Si tu te déshabilles, c'est des habits que tu portes. Je peux dire, je me suis déshabillé de mes habits pour la ligne. Asher Lavash, c'est en plus ce qu'il dit. Maïtamodoman Asher Lavash. Klum Adam Pochetana Masunovesh. Je ne peux me déshabiller que les habits que j'ai portés. Pourquoi la Torah me précise? Il s'est déshabillé les habits qu'il portait. Mais heureusement qu'il portait. Alors, tu ne vas pas déshabiller des habits que tu ne portais pas. Et la main, tu as modoman à chez la vache keva. Ça veut dire que, en fait, c'est pour te dire que le Kohen Gadol, il s'est habillé de nouveau, une deuxième fois. Parce que là, quand on dit il est venu dans l'Ol Moed, il était habillé en blanc. Et comme on a dit à chez la vache, ça veut dire qu'il s'est habillé une deuxième fois. Or, quand est-ce qu'il s'habille une deuxième fois en blanc? Il n'y a pas. Alors, c'est pour ça que tu es obligé de dire que pour récupérer la chose, il a mis de nouveau les blancs. Alors qu'il était habillé en or, il a fait de nouveau le blanc. De là, il a deviné, il a déduit, en fait, qu'il y a donc ce passage qui n'est pas dans l'ordre, il n'est pas à sa place. Il faut le mettre après pour avoir les 5 trempages et les 10 saisons qui sont utilisées, sont des mains et des pieds. D'accord? Ça.